C'est la voiture la plus vendue en France, une diesel qu'on recharge pourtant comme un véhicule électrique. On a extrait le moteur thermique. Il n'y a plus le radiateur, il n'y a plus le moteur, il n'y a plus l'alternateur, il n'y a plus les courroies de distribution. On a extrait ce qu'on appelle le groupe motopropulseur et on l'a remplacé par un bloc moteur électrique, contrôleur et batterie. Une opération qui coûte 5000 euros, aide gouvernementale déduite, et à réaliser sur une voiture de plus de 5 ans. Des batteries moins performantes et une centaine de kilomètres d'autonomie seulement. Mais pour cette entreprise, c'est une façon de faire du bien à la planète et à son porte-monnaie. L'idée, c'est de dire, prenons des petites voitures où on pourra mettre peu de batteries à l'intérieur et de rendre le prix très accessible. C'est un impact aussi environnemental. C'est-à-dire que là, toutes les distances qu'on a parcourues, ça s'est fait sans émission de CO2 quand on a roulé. Jusque-là, cette conversion à l'électrique, comprenez le rétrofit, était impossible en France. Pour modifier une voiture, par exemple, il faut l'autorisation du constructeur. À partir du printemps prochain, un arrêté gouvernemental devrait lever ces barrières et autoriser la vente de ces voitures réinventées. Avec ce texte-là, on va pouvoir, nous rétrofiteurs, rétrofiter des voitures et ça va réglementer le mode de fonctionnement pour rétrofiter des voitures. Première livraison prévue en septembre 2020 et la start-up vise déjà le marché européen.